salut tout le monde, c'est Altomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de Pokémon Blanche en Desert Challenge. Donc la dernière fois, nous étions arrivés ici, on avait perdu des Pokémon. Donc dans cet épisode, on va faire la reine de Maillard, on va affronter Aloé. Tout de suite dans cet épisode, il y a un N. J'ai fait exprès mes Pokémon aussi, jusqu'au level 22. Je veux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. La réalité des Pokémon dans leur Pokéball. L'image idéalisée du comportement des dresseurs. Enfin, ce futur parfait pour les Pokémon. Oui. Vraiment? En ce cas, laissez-nous, mes amis à moi, vérifier si nos visions sont justes. N. 3 Pokémon contre 2. Poichijon. Ça va, level 13. Je suis level 22. Donc je ne risque pas de perdre. Et choc mental. Et j'ai vu que Chauve-Souris évoluait par bonheur. Avec le bonheur. Et hop, choc mental. Tritombe. Mais j'aurais besoin de lui. J'aurais besoin de Chauve-Souris pour affronter Aloé. Ultrason, ça va. Il a raté son attaque. Patin. 132. Charpentier. Chauve-Souris a pris l'attaque tranchère aussi. Vous avez vu. Voilà, tranchère. C'est bon. KO. 136, il n'a pas monté de niveau, 1300 Poké-Dollars. J'ai compris quel pouvoir j'avais besoin, le Pokémon légendaire qui jadis avec le héros fonda la région du Nice, Reshiram. À mon tour, d'endosser la responsabilité du héros, devenir ton ami. Allez, on va acheter quelques potions, on en aura bien besoin. On va peut-être s'acheter 2 potions. Allez, hop, hop. On va accélérer. Hop. Voilà. Allez, la reine. Ah, ce squelette, il me fascine tellement. Bonjour, je m'appelle Gilles, le conservateur adjoint de ce musée. Je vais profiter de ta venue pour te faire visiter ces lieux. Le squelette est celui d'un Pokémon dragon. On peut supposer qu'il a été victime d'un accident alors qu'il volait et il a été fossilisé dans cette position. Ok, d'accord. Cette pierre, elle est extraordinaire. Attendez, je vais couper le micro. Je ne peux plus le micro. Cette pierre est extraordinaire. Attendez, on va accélérer sa visite. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. C'est la reine. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Au fond de ce musée se trouve la reine Pokémon. Voilà, ça c'est cool. Mais allez, attends quoi? Cette reine, garde ça pour toi, mais t'es normal. On trouve des Pokémon de combat du côté de la forêt d'Empoigne. Mais bon, passons aux explications de cette arène. Tu peux y accéder en déchiffrant les énigmes cachées dans les livres sur les rayonnages. Indice, si vous cherchez un livre en prom. Et le livre intitulé Enchanté par petit Pokémon. Et quand tu ne sais pas où trouver un volume, demande autour de toi. Voilà. Bon, c'est le combat. Non, en fait, ouais. Allez. Allez. Enchanté par les petits Pokémon. Non. Ni pour enfants. Voilà. C'est celui-là. Note est installée dans le livre. Bienvenue, jeune dresseur. Je suis le champion Aloé. 4 notes sont dissimulées dans cette bibliothèque.
Quel est le premier Pokémon que tu as rencontré dans cette arène? Un indice se trouve sur l'étagère du milieu. Elle communique, hein, c'est ça? Alors, la première énigme était facile, n'est-ce pas? Voici donc la deuxième. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. De quel livre s'agit-il? Peut-être que quelqu'un est déjà en train de lire. Ah bah oui, c'était celui-là. Des flammes brûlent. Alors, tu as trouvé la réponse à cette énigme, mais c'était un être vivant qui vit. Quoi? Les flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. Alors, tu as trouvé la réponse à cette énigme, et si la solution n'était pas un être vivant en fin de compte. Tu as trouvé une note. Ouais. J'ai pas lu la question qu'elle m'avait posée, mais bon, j'ai dit oui quand même. Bon chien, ça va niveau 17. Tu devrais l'aider à faire monter le niveau. Voilà. 507. Elle est sûre que son bonheur va augmenter. Non. Un livre doit être lu et remis sur son étagère, c'est la règle. Oui. Les flammes brûlent dans sa partie interne. Une note est épinglée au jeu de combien bien joué, tu mériterais presque de pouvoir m'affronter. Voici ma troisième énigme. Quel mets délicieux fait-on bouillir longuement dans une casserole? C'est celui-là. Bah oui. Tu as pu avancer sans trébucher jusqu'ici, tu es digne deux fois devant, une fois à gauche, deux fois arrière, une fois à droite, et puis une fois devant où suis-je. Un indice, cherche pas toi-même. Alors, attendez. Alors. Deux fois devant. Une fois à gauche, deux fois en arrière, une fois à droite, puis une fois devant. Voilà. Là. Bon. T'as trouvé la dernière lettre ok. Voilà. Mon chiot. Allez. Oui, j'accélère le combat. Bon chien. Ouh. Et c'est celui-ci qu'il faudrait changer de Pokémon. Charge. Cogne. Et oui, j'ai appris éclat rock aussi à Monsieur Port. Parce que voilà. Tu vas pouvoir rencontrer le champion. C'est le dernier livre. Cool. Allez. Oh, il y a un interrupteur, voilà. Désolé. Alors attendez, je vais soigner le Pokémon. Non, non, je vais pas couper le micro. Hop, on va faire ça en accélérant. Et acheter quelques potions. Allez, on va acheter. Ah, question pour s'acheter. Les soins ball, ça c'est pas mal. Et des Pokéball. Hop. Ah bah les soins. Voilà. Hop. Oh, viens. Comme ça, ça fait durer l'épisode plus longtemps. Voilà. Oui, c'est ici. Prêt, chauve-sourire. Bonjour, bonjour. Je suis Allo, et conservatrice de ce musée, et champion de cette arène de Maillard. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu as entraîné tes Pokémon avec amour. Allez, le combat contre la V, le deuxième badge.
Un bon chien terminé par champion Alloy. Un bon chien quand même. Niveau 18. Hein. Intimidation de bon chien, hein. Ça abîme mon attaque. Ok. De toute façon, je vais attaquer en spécial avec choc mental. Gros yeux. Mince. Allez. Faut pas qu'il meure. Non, bélier. Allez. Cogne. 2. 3. Ça va. Il est pas mort. Changer de Pokémon. Hypnose, j'ai un réveil. Vengeance. Ah, moi je te fais cogne, mon gars. Yes. Eh, je suis niveau 22, tu veux faire quoi? Vengeance. On a gagné. Voilà. On n'a même pas perdu de Pokémon. Non. Oulade. Mais c'est pas mal, ça. Allez, à la place de cher, ça se mérite, ça. Voilà. Mes hypothèses étaient juste. Ouais. Yes. La façon de te battre était exquise, à fondre de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ce sera tout pour l'épisode. Attends, moi, soit le badge d'Aloy. Avec deux badges en ta position, tous les Pokémon te goûteront jusqu'au niveau 30 et aussi. Vengeance. Voilà. Vengeance est une capacité dont la puissance est amplifiée si un Pokémon allié a été mis KO au tour précédent. Avec un timing bien choisi, tu peux vaincre même des ennemis très puissants. Maman, c'est terrible, terrible. Ces types de la Team Plasma sont venus chercher le crâne. Et quoi, comment? Attends, bien vite, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a combien d'argent sur nous? 2436. Bon, on va accélérer. Allez, hop, 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 hop. Mince. Ta-da-da-da. 13 minutes. Ba-ba-da-ba-da-da. Arty. Alors, oui, as-tu trouvé de nouveaux fossiles intéressants? Oh. Tom, je te présente le champion de Volicité, Arty. Je me fais des idées ou il s'est passé quelque chose? Ok, oui. On m'a dit, bon, Robin, pièce maîtresse de l'exposition. Dites, pourquoi tout le monde est réuni comme ça? Attends, mais y aura-t-il un problème? Oui, un gros problème. Qui sont ces enfants? Tes amis, peut-être? L'enquête Chiren, tes trois sœurs, j'aurais-tu m'en douter? Voilà. On va aller vers la forêt d'empoigne, je crois. Non, tu t'appelles Atom, n'est-ce pas? Alors en route, suce au voleur. Mais ça sera dans le prochain épisode, les gens. C'est Madame Maurice qui me l'a donné, c'est un cherche-objet. Ok, avec le cherche-objet, tu peux... Attends, que je me souvienne, chercher des objets invisibles. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés, qu'on peut pas voir normalement. Génial, hein. Nous sommes laissés dans le flou, mais la tâche qui m'incombe est de protéger le musée, n'est-ce pas?
Allez, ça fait 15 minutes là. Ah, moi aussi, c'est bien ça. Donc en fait, c'est moi qui fais tout. Hop. Allez, on va aller acheter quelques potions. Voilà. Dommage, on peut plus vendre les CD. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça. Attendez, qu'est-ce que je pourrais vendre? Bah oui, la défense plus. Bon, ça sera pas beaucoup, mais voilà, quoi, ça sera toujours ça. Donc ça se vend. Tant que ça se vend. Voilà. Et puis bah, moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À mon compte Twitter également. Laissez un petit like, un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.